Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe popote pale unapotutizama, mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV. Matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya sante kwa kujiunga na matukio yetu. Jina langu ni Te Andrea Nlema na kujia na matukio yetu ya leo hii, mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV. Na moja kwa moja mtazamaji wetu, matukio yetu yataanzia katika mji wa Bugusa. Serikali imefanikisha kuwarudisha nyuma wahasi wa M23 ambao wamejaribu kupokonya jeshi la taifa mji wa Bugusa katika mkoa wa Kivu Kaskazini. 23 et leurs alliés tentent d'infiltrer les lignes des forces armées de la République démocratique du Congo sur la colline de Bugusa, un groupement des Jomba. Les porte-parole de l'armée dans la zone, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, nous explique. À 3h du matin, nous avons vu une de nos positions à Jomba être encore attaquée par les M23 et leurs alliés, et ce, en violation du cessez-le-feu imposé par la hiérarchie. Et égard à cela, l'armée loyaliste a réagi de la manière la plus forte. Donc, à l'heure où nous vous parlons, nous sommes en train de consolider Bugusa. Voilà le pourquoi de toute cette détonation d'armes que vous avez entendue. Mais c'est aussi le lieu ici de rassurer notre population que son armée est en train de travailler, son armée est vigilante et qu'elle puisse garder son calme et surtout collaborer avec son armée. Notons que c'est pour la deuxième fois en moins d'une semaine que l'M23 et ses vendeurs d'Ilisio attaquent les positions des FARDC. Oh, on a des défenses, il y a un ennemi. Il y a un patimbo, il y a un tranché, il y a un tranché. Oh, il y a un bandage, il y a un tranché qui est bouillé et tourné. Il y a un tranché. Tiawana, oyonde matériel à ennemi, autojoué panae, de yango. Ah, là, aucun de sous-placé, et bimbezaï, ezali, na kangafe photo. Tukisalia katika mji huo wa Bugusa ni kwamba msemaji wa wahasi wa M23 aiomba serikali kufanya uchokozi wa kuwashambulia kwenye ngome zao wanazozidhibiti. L'armée révolutionnaire congolaise, le M23, avait bel et bien signé les cessez-le-feu unilatéral le 1er avril 2022. Et nous avons respecté scrupuleusement ces cessez-le-feu. Vous êtes témoins. Les FARDC se sont venus nous attaquer, les 6. Ils ont pilonné nos positions, les 7, les 8. Ils ont attaqué. Et nous les avons repoussés. Alors, les 10, nous avons quitté même les zones conquises afin que nous puissions trouver un modus vivendi entre nous et le gouvernement, qui ait la paix. Nous voulons l'issue pacifique de la crise. Eh bien, chose étonnante, hier vers 15h, les FARDC sont venus encore une fois de plus nous attaquer. Ils ont attaqué nos positions précisément vers Bugusa. Tout le monde connaît les terrains. Bugusa, c'est notre terrain. Ils sont venus nous attaquer. Et nous avons répliqué vigoureusement, farouchement à leur attaque. Ils ont fui pêle-mêle. Pour preuve, nous avons capturé même un élément de FARDC. De notre côté, nous voulons la paix. Mais de l'autre côté, on nous impose la guerre. Car cela n'empêche, nous allons continuer à imposer aussi la paix. Car nous voulons la paix, qu'il y ait la paix pour tous. Ituri, wafungwa mbalimbali waliokamatwa wakishirikiana na magaidi wa ADF na Lupia na wanamgambo wa Kodeko wameanza kuojiwa hii leo, ikiwemo wanawake pamoja na wanaume. Tazama hapa namna gani wafungwa hao walivyoojiwa.
La première audience de ce jour a été consacrée à l'identification des prévenus et de bien saisir. Tous les prévenus étaient présents et assistés par leurs conseils respectifs. Parmi les personnes à la barre, il y a 9 militaires, 6 civils, dont 4 femmes, parmi lesquelles Madame Solange Mankoussi, située dans les trafics d'armes et munitions de guerre. Outre ces préventions, ces personnes sont poursuivies pour crimes de guerre par maître, participation à un mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs. Ces procès sont attendus et salués par la population locale. Benyewe banaweza kuchunga batu na kuchunga batoto na babwana yabo meleo inakuwa biko nakuwa kukamata arme na bambeko wa masasi kuenda letea bakodeko juba uwe baraia vrema iko mbaya sana na omwe gisi nye biko na basambisa ifike kumwisho na kama kubakondane babakondane tu juu inakuwa mbaya. Ituri yetu inakuwa mbaya sana na vita. Ituri narudia nyuma. En croire le ministère public, ces prévenus seraient impliqués dans l'assassinat de 62 déplacés du site de Plaine-Savou le 21 février dernier. Cette première journée d'audience s'est déroulée en présence du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin et du maire policier de la ville de Bounia. De ces mardis, la cour débite l'instruction du dossier. Rappelons que c'est la 1e audience publique qui touche les officiers supérieurs de FRDC, une façon de lutter contre la pratique des antivalaires au sein des forces de défense et de sécurité dans cette période de l'état de siège tel que voulu par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimé en Ituri par le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Shomajuni. Lubero, gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini, atembelea tarafa la Lubero huku akitaka kujitazamia mwenyewe namna hali ya usalama inavyoendelea tarafa ni humo. La collectivité secteur des Bas-Péré dans le Lubero profond a été honorée par la visite de travail du gouverneur militaire du Nord Kivu, sorti de son quartier général de Mambangu, périphérique de Beniville. Le matin, le lieutenant général Constant Dima est arrivé à Mangoudjipa dans la mi-journée accompagné de ses collaborateurs. Sa première mission était de se rendre compte de l'état de la route Butembo-Mangoudjipa, aujourd'hui totalement carrossable grâce à sa réhabilitation financée par les études provinciales du Nord Kivu et dont l'exécution a été faite par la société de services Viumbira SSV. Après l'inspection et la réception de ces 100 km de route, le gouverneur des provinces a donné le go à la réouverture de la route allant de Mangoudjipa à Bandoulou, longue de près de 70 km. Les travaux sur fonds propres de la province. Au-delà des avantages sécuritaires, ces voies publiques faciliteront les échanges entre les habitants de Bas-Péré et ceux de Butembo-Beni et des provinces voisines. Nous avons commencé par l'ouverture de la route de Butembo-Mangoudjipa où la circulation est fluide aujourd'hui. Donc nous entamons le 70 km de Mangoudjipa à Bandol. Ça, c'est un défi que nous devons relever. Et nous nous mettons dès aujourd'hui par l'ouverture, par le lancement de ces travaux et nous comptons le réaliser tant que nous aurons la force. Voilà. C'est pour notre population, du point de vue économique, et aussi pour nous militaires, du point de vue opération. Vous savez, si nous arrivons à ouvrir cette route jusqu'à Lindi et traverser jusqu'à la province de Tshopo, ça va nous faciliter le manœuvre militaire. En guise de reconnaissance, un accueil délirant a été réservé à l'autorité provinciale d'abord à Ndiapanda et ensuite à Mangoudjipa par la population locale. Celle-ci affirme que le lieutenant général Constant Dima est le deuxième gouverneur à avoir foulé leur sol dans l'histoire des Bas-Péré. De quoi les remercier pour cet honneur, mais aussi pour l'effectivité de la communication de leur entité avec d'autres par la réouverture de la route qui constituait un carrefour il y a de cela des mois. Le gouverneur militaire Magaidi nchini Nigeria waleta hali ya kukosa usalama ndani ya mji huo na miji tofauti tofauti ya Nigeria. Tumalizie matukio yetu, mtazamaji wa Nipe News TV na Baraka Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba mfungwa sugu ama jambazi sugu aliyekuwa akileta vitendo
vya unyanyasaji, vitendo vya kupeleka watu porini, vya ubakaji na vitendo vya kuingilia watu manyumbani, akamatwa nalo jeshi la taifa la regimenti ya 2202 pa Bahaka, ambako mfungwa huyo anajulikana kwa jina la Nakitumba Moise Kadhafi, ambaye alipelekea shirika la MSF kufunga milango yake katika mji wa Baraka na tarafa Rafizi, ameweza kukamatwa na jeshi la taifa FARDC na kuoneshwa mbele ya watu. Tazama mfungwa huyo aliyesababishia watu kuweza kuathirika na magonjwa mbalimbali, huku bei ya matunzo ikiweza kupanda baada ya shirika la MSF kuweza kufunga milango yake. Tazama mfungwa huyo, mtazamaji wa Nipe News TV. Na mtazamaji wetu, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa kujiunga nasi. Mimi ni Andrean Lemani, bora kusubscribe na kusambaza matukio haya kwa wengine ili waweze kunufaika na habari zetu za kila siku. Mimi sina la ziada. Asante kwenu nyote. Kwa heri na siku nyingine.